Une reine en legging en cuir. Le Tizia d'Espagne prouve que c'est possible. Quand on appartient à une famille royale, comme la reine Letizia d'Espagne, certaines pièces comme le legging en cuir peuvent vite se heurter au protocole. Elle n'a pourtant pas hésité à s'afficher, avec lors d'une sortie, tout ce qu'il y a de plus officiel. On valide point d'exclamation point voilà un bon moment qu'on n'avait pas pris de nouvelles de Letizia d'Espagne. Longtemps présente dans notre top 3 des têtes couronnées les plus stylées, la reine consort a malheureusement enclenché un virage à 90 degrés, il y a quelques années, pour n'embrasser que des tenues mémérisantes et particulièrement ennuyeuses. Du coup, on avait un peu arrêté de la suivre, pour se concentrer sur des princesses plus modernes à l'image de Kate Middleton, Sophia Elkvist et plus récemment Meghan Markle. De quoi faire passer Letizia pour une abanpoint, mais c'était sans compter sur la surprise plutôt réjouissante que nous a réservé Letizia Horty lors de sa dernière sortie officielle. Attendue à l'inauguration de la 13e édition du séminaire international sur la langue et le journalisme dans la région de la Rioja, l'épouse de Felipe V est apparue dans une legging en cuir très sexy, qu'on n'aurait jamais imaginé voir un jour sur une arène aussi médiatique. Quand on sait que même, le vernis de couleur peut leur être interdit, on se dit que Letizia a vraiment pris des risques. Et si on imagine que certains ont dû s'offusquer, nous en revanche, on trouve ce choix osé certes, mais aussi judicieux et particulièrement séant. Avec son manteau rose, et ses escarpins noirs vernis, Letizia est rayonnante et véhicule enfin l'image d'une femme moderne, stylée et bien dans ses baskets. Et si la reine d'Espagne s'était enfin réveillée? Nous, en tout cas, on y croit. Et on espère vraiment que ça va continuer comme ça.